Donc on va commencer par faire cuire 300 g de riz. Donc on va remplir à hauteur et après on va mettre à feu moyen jusqu'à ce que ça absorbe toute l'eau. Ensuite, pour faire cette recette, on va avoir besoin d'un kilo de poulet. Donc moi je vous conseille de prendre le poulet avec l'os et encore la peau parce que sinon ça va être trop sec. Un peu de sucre, toujours du sucre dans les plats thaïlandais. Pour les plus gourmands, il faudra un œuf. Beaucoup d'ail en fonction de votre goût, donc moi je vais mettre 6 gousses d'ail, mais j'adore l'ail. Un piment rouge, assez costaud, donc si vous aimez quand ça pique, vous pouvez y aller, hein, en mettre 2, 3, bon, un ça suffit. Et après on va avoir toutes les sauces spéciales. C'est parti, on va commencer par l'ail et ensuite on va s'occuper du poulet. Donc une astuce pour l'ail, pour le peler plus rapidement. Pour les croiser comme ça. Bon, après, vous pouvez enlever le bas de l'ail. Donc, soit vous le hachez, soit vous le coupez, c'est un peu comme vous le sentez. Donc comme vous pouvez le voir, ça s'appelle pas du poulet à l'ail pour rien. Même si peut-être que là j'en ai mis beaucoup. Il faut qu'il soit haché très très petit. Hein. Vous allez voir, c'est un plat assez rapide à faire pour le soir quand on n'a pas trop envie de cuisiner. Maintenant, on va s'occuper du poulet. Donc on va commencer par enlever les os. Donc vous n'êtes pas obligé de garder la peau sur tout ça. Plus il y aura de peau, plus ça va être grave. Et voilà, la préparation est terminée. Il ne nous reste plus que le piment à couper. Pour la suite, vous aurez besoin d'un wok qu'on va faire chauffer très très fort. Notre wok est bien chaud. On va mettre un fond d'huile d'olive et on va mettre l'ail. L'ail commence à être un peu doré, donc je mets mon piment et je vais rajouter mon poulet. En avant pour le sucre. La sauce soja. Vu que j'ai mis beaucoup de poulet, je vais mettre deux fois la dose, donc 2 cuillères à café. La 6 soning sauce, 6 cuillères à café du coup. Et la sauce à huître, 2 grosses cuillères à café. Pour regarder la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu et que vous allez vous régaler. Mais surtout, pour ne rien rater, appuyez sur le pouce bleu.